Nous montons au deuxième étage. Voici la montée. Donc on arrive à la porte du premier. Hein, le côté est boisé. La résidence est petite. Trois appartements. Donc il n'y a pas de voisins en gênant. Et on va arriver à la porte palière du deuxième étage. Donc voilà, vous êtes au sommet de ce tout petit appartement, de cette toute petite maison. On rentre et on arrive directement dans la salle à vivre. Donc une salle sous le toit qui est très sympathique, avec une immense fenêtre et baie vitrée qui donne directement sur la chartreuse. Donc, comme vous pouvez constater, aucun vis-à-vis et un très joli panorama. Au-dessous, vous avez une cuisine équipée avec un évier en inox. Vous avez des tiroirs. Vous avez aussi sur le côté une cuisinière avec quatre plaques vitrocéramiques. Un four électrique. On continue. Donc voici la pièce. Il y a deux panneaux rayonnants. Vous avez des étagères. On avance. Vous êtes en sous-pente, mais c'est excessivement lumineux compte tenu du fait que l'autre partie de la pièce est située bien plus haut. Une fenêtre genre un petit peu comme un balcon, hein, avec des panneaux en bois qui servent de volets pour la nuit. Le deuxième panneau rayonnant. Vous avez des prises partout. Vous avez équipement télé. Vous avez des prises RJ45. Donc voici la pièce. Comme vous pouvez la voir, c'est très sympathique. Au sommet ici, vous avez une petite mezzanine. Bon, c'est plus pour la décoration, voire pour un enfant ou pour mettre des affaires. Hein. Donc on avance. Au fond, c'est la salle de bain. Donc on avance dans la salle de bain. Vous voyez, vous avez un meuble. La salle de bain est équipée. Il y a une baignoire. Un meuble avec une vasque dessus. Un miroir. Une fenêtre au-dessus. Il existe des patères derrière les portes pour les serviettes. Et vous avez derrière un sèche-serviette qui sert aussi de radiateur. On continue. Ici, il y a un coin pour mettre la machine à laver. Et puis, un cumulus de 150 litres. Donc une salle de bain mignonne et fonctionnelle. On continue notre visite. Nous allons passer maintenant à la chambre. Donc une chambre totalement indépendante qui se ferme avec des volets aussi internes. Voilà. D'environ 10-12 mètres carrés. Il y a au fond des étagères. Et toujours une vue, ici c'est côté Beldon, avec le petit parking réservé aux voitures juste dessous. Un panneau chauffant. À droite de cette échelle, donc il y a la partie toilette, WC, etc. Donc avec VMC incorporé, bien évidemment. Donc j'allume. Voici. Vous avez des prises, une prise de courant, et vous avez la cuvette des toilettes.
Donc on poursuit et on revient, donc retour dans la pièce à vivre. Hein, donc voilà, vous avez donc une visite rapide de ce T2, hein, qui est à l'état quasiment neuf, hein, et qui est très lumineux, hein, et très sympathique. Hein, voilà, cette vidéo a été prise presque juste avant Noël. On peut voir qu'il fait bon. Si vous voulez voir le vrai, si vous voulez faire une vraie découverte, il faut réellement que vous venez voir sur place pour avoir les vrais volumes. Hein? Donc l'appartement fait quasiment 40 mètres carrés et donc il est très sympathique, très lumineux, hein? Et il convient parfaitement pour une personne seule, un couple ou un couple avec un enfant en bas âge. Voilà, à bientôt.